On a globalement trois grands blocs. Une formation diplômante qui délivre un titre de master qui s'appelle le CEFAR. C'est une formation de 18 jours et effectivement qui est très orientée pour des professionnels qui ont déjà 2 années dans la gestion des risques. On a ensuite des formations qui vont être plus spécialisées pour délivrer un titre qu'on va appeler Associate in Risk Management. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté représente 36 000 personnes dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est 3 modules qui vont durer 8 jours par an. Et une fois qu'on a ces trois modules, eh bien on obtient ce titre d'ARM. Et enfin, on a des stages thématiques qui sont des formations qui sont là véritablement, c'est un éventail qui est ouvert, qu'on adapte en permanence par rapport aux besoins des entreprises pour apporter de la connaissance et du recul et aider les risk managers à toujours rester au top niveau et à être adaptés par rapport aux besoins de leur organisation.